Donc, quand tu aimes un homme, tu achètes l'amour des hommes. Tu achètes l'amour. Parce qu'aucun homme ne t'assume. Tu dois la reine, mais les pipimania. Le feu sort. Tu la dois l'argent de la réunion, ça c'est même pas bon. Parce que personne ne t'assume. Tu es venu mentir les Camerounais ici que ta mère a fait l'accident. Ta mère n'avait jamais fait l'accident. Ta feu maman était empoisonnée au deuil. Qu'elle partait à la réunion, elle partait au funérailles. C'est là qu'elle était empoisonnée. Elle est rentrée avant de mourir à l'hôpital. Avant de mourir, mais elle vivait déjà avec un nom dans la maison de son mari. Pipi, pourquoi tu refuses? Venez dire la vérité au Camerounais. Quand c'est pour les gens, vous venez dire que. Oh, quand c'est pour les gens, tu viens trouver ta lâche et puis tu viens parler. Donc tu es une personne que tu es fausse. La première blogueuse qui a enregistré les gens. Quand toi tu dis que tu as enregistré machin, tu l'as enregistré. Tu l'as enregistré le premier jour. Qu'elle est venue chez toi faire l'émission. Parce que j'ai les voces là. La reine des Pipimania fait le bon travail. La reine des Pipimania, elle fait le travail. Le jour que Macha avait fait un poste sur toi, tu as fait les audios à la reine des Pipimania. Elle a envoyé ça à mon FBI, mais j'ai pas le temps de chercher. Je reviendrai sur ça. Ça veut dire qu'avec toi, je ne cours pas vite. Avec toi, Pépi, moi, je ne cours pas vite avec toi. Je pars comme moulo, parce qu'il y a trop de balles sur toi. Tu as supplié Valérie Amougo que ma chante vienne dans ton anniversaire, elle vient à ton émission. Elle a collé son image à toi. Depuis ce jour-là, sa carrière est finie comme ça. Ça n'a plus fonctionné. Parce que tu es une personne que quand tu colles, qu'on colle seulement son image à toi, la personne n'évolue pas. Tu vas venir parler aux gens. Hein? Tu viens t'assurer que tu étais guest star, que Coco Agenté t'avait invité comme guest star. Jamais de la vie. Pipi, si il ment, poste. Tu dis que Cathy, maman Katino, pourquoi ton anniversaire? Maman Katino ne t'a pas sauté chez anniversaire. Regarde tous les artistes auxquels que tu as invité dans ta télévision. Aucune personne ne t'a sauté chez anniversaire. Personne. J'avais toujours dit ici que Pipi, vous la voyez là. Elle ne gagne pas 100 francs dans son émission. 100 francs ne gagne pas. Parce qu'elle les invite gratuitement. Et c'est elle qui met son argent à l'intérieur. Vous savez pourquoi Pipi a pu continuer l'émission? Partagez le direct. Vous savez pourquoi elle a pu continuer l'émission? Elle a trop de charges. Vous ne mettez pas le cri, ils vont signaler. Pipi a seulement a trop de charges. Elle ne peut plus continuer l'émission. Parce qu'il y a la maison de Reims qu'elle doit payer. Elle doit payer le loyer, 1200 euros. Elle doit payer la lumière pour le chauffage. Actuellement, elle a fui Reims. Parce que l'argent, il n'y a pas l'argent du chauffage. Elle doit payer. Elle doit faire les courses. Elle va prendre l'argent là-haut. Ou quoi qu'elle va encore prendre, ou quoi qu'elle va encore inviter les gens. Personne ne lui a souhaité joyeux anniversaire. La honte du siècle. Tu es une blogueuse, toi. Tu viens te comparer aux gens Pipi. Avec tout ce que tu as invité là. Que tu parles. Parce qu'aujourd'hui, tu viens dire, si tu essayes, je vais mettre le direct où tu avais invité l'ex de Coco Agenté dans ton émission à quoi ouvert. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans aujourd'hui. J'ai la vidéo là. Tu avais invité son ex. Il est venu salir Coco Agenté. Au lieu, tu viens trouver ta large pour tu fais comme si tu mettais Coco Agenté. Tu n'aimes personne. Pipi, tu es qu'une ingrate de mes catégories. Les gens qui ne te connaissent pas, moi, ils disent que je te connais. Ici là. Tu es ici. Je te connais comme ma pomme de main. Parce que tu es une grosse manipulatrice. Quand tu dis que tu es pas. Si tu es une femme. Demande à ton soi-disant monsieur là de payer 2 mois de loyer en rêve. Je me déconnecte de Facebook. Demande, comme tu sors ta bouche, tu dis que non, il y a un homme qui a l'argent, que tu as rencontré un monsieur qui a l'argent. Demande à ce monsieur de payer la maison de Reims. Je me déconnecte de Facebook. Parce que toi, tu achètes l'amour. Aucun homme ne t'assume.
Tu es parti à Dubaï, tu étais comme une folle. Même pas un bon habit, toi. Tu as venu parler aux gens. Tu as venu parler, tu as venu ouvrir ta bouche, parler à machin. Tu vaux la carrière, tu vaux machin. Parce qu'elle a eu le, elle a dit que non, elle a vu une fan. Tu étais comme une fan pour elle. Au départ, tu as dit que, hey, ma mère, la marraine d'accueil ouvert. Elle n'est plus la marraine d'accueil ouvert. Parce que tu as utilisé. Maintenant, la marraine d'accueil ouvert, c'est la femme qui est en Angleterre, avec qui tu fais le Léa sur WhatsApp. Avec que tu fais l'amour sur WhatsApp, tu te masturbes sur WhatsApp pour qu'elle t'envoie les 5000 euros. Est-ce que je mens? Une vieille lélé. Maman, papa, faut dire, a souffert. Il a souffert entre tes mains. Il a souffert entre tes mains. Pour couronner le tout. Et dit que, j'ai dit toujours à la femme là que, toi, cette femme avec qui papa Fodia a vu tes nudes avec pipi dans son lit, viens me remettre la vidéo de pipi avec toi. Parce que, quand ça va tourner dans ma tête, je vais m'aider à écrire ton nom sur Facebook. Tu vas devenir star. Parce qu'elle veut salir machin. Elle va devenir star. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent qui est pipi. Que pipi est lélé. Elle est lélé, mais elle refuse d'assumer son idéal. Mais elle préfère faire ça dans les inbox. Elle est escroque. Maintenant, actuellement, là, elle est entrée dans un site internet d'où elle drague les femmes. Pipi, est-ce que je mens? Actuellement, elle est entrée dans un site internet d'où elle drague les femmes. C'est là-bas qu'elle opère dans le site internet, là. Pipi, est-ce que je mens? Tu sais que je ne mens pas. Hein? Tu n'as rien fait. Partagez le direct, mes chers. Pourquoi ils mettent les voix? On doit dépasser 300 personnes. Hein? Partagez le direct. On entre d'abord dans le vif du sujet. On atomise d'abord. Pipi, viens dire au Camerounais pourquoi tu n'es pas là à la soirée avec Borosangui. Parce qu'il y avait papa Otam à la soirée là. Tu étais à cette soirée. J'attendais que tu pars. Je savais que tu ne pouvais pas partir. J'ai dit à mon ami que si Pipi part à la soirée, là, je fais deux jours sans faire le live. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas partir à la soirée là. Mais tu avais honte. Tu avais honte de voir Paotam. Tu avais honte de voir que Paotam va venir avec Sanga. Mais malheureusement, il était là seul. Et tu avais honte que les gens devaient te regarder, te dire que oh, Pipi, 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 elle est célibataire. C'est pour ça que tu parles à la soirée là. Regarde-toi. Tu n'as même pas pu inviter même une pipi mania à la soi-disant soirée de cette dame. Et tu dis que tu es star. La dame là t'a payé l'argent pour la publicité. Si c'est moi la dame là, j'ai récupéré. Madame, récupère votre argent. Elle est Borosangui. Récupère votre argent. Voilà Borosangui. Elle dit qu'elle est, elle est coach événementiel. Elle a les crèmes des crèmes. Mais elle a fait la dame là, lui a versé l'argent. Elle a Borosangui a fait l'argent. La dame là lui a versé l'argent pour parler de son événement. La dame là se disait que Borosangui devait venir avec les clients. La dame a tapé poteau. Borosangui, le seul invité de Borosangui était le morguier. Était le morguier. Tous les abeilles ne sont pas venus. La dame a tapé poteau. La salle était vide. Elle a payé Borosangui pour la publicité. Elle a payé Pipi pour la publicité. Aucun Pipi mania. Pipi, tu es star avec quoi? Va remettre, madame. Va prendre ton argent à Pipi et Borosangui. Ils t'ont escroqué. Voilà Borosangui qui a dit que c'est elle qui remplissait ses soirées, non? L'expérience a prouvé qu'elle ne s'aime pas. C'était Mafou qui remplissait les soirées. Parce que Borosangui était incapable de remplir la salle. Parce qu'elle n'a même pas la crème des crèmes. Elle n'a personne. Madame, allez récupérer votre argent. Récupérez votre argent, les ténébreux. Ce sont les escrocs. Ils vous ont escroqué. Tu as perdu. Tu as perdu dans cette soirée. Heureusement que les abeilles étaient là pour insulter ces ténébreux. Pour dire que les ténébreux, les ténébreux. La honte du siècle. Elle va s'asseoir avec que tu es insta. Pipi qui t'aime au Cameroun, personne ne t'aime. Pipi. Pipi. Tu es une grosse. Moi, je te dis que moi, je te connais. Il n'y a pas un homme qui t'assume. Ben, tu payes l'amour. Si tu avais un vrai homme, ce que tu ne mettais pas ta caméra, tu demandais qu'on te donne l'argent pour que tu viennes vendre les habits en bain. Tu n'as personne.
Actuellement là, tu veux aller vendre le piment. J'ai dit à la dame là, à Julie, que si Pipi, si tu donnes ton comptoir à Pipi, qu'elle part à 25 rue, ma foi, parler ça donc. Est-ce que moi je mens? C'est pas 25 rue quoi de Boulogne, on va vendre le pépé. On va la fumer. Et ton camion, c'est sur bêta. Je vais montrer à Pipi que je dors dans sa maison. Si tu acceptes qu'elle part là-bas, vendre le piment. Je veux mettre ça sur mes tables. Je veux montrer à Pipi qu'on ne salit pas une icône. C'est la même chose que tu as fait avec Solange Bi. Quand tu as fini d'escroquer et quand Solange Bi a ouvert les yeux, tes pipimaniens ont commencé à la salir sur la toile. Au lieu qu'elle te donnait les habits de vendre. Le sac, le faux sac là que tu marches, le sac Chanel là, c'est Solange Bi qui t'avait offert le sac là. En dehors de ça, tu as encore un sac. Demande à ton gars là que tu dis que tu as eu un vrai gars qui t'offre un sac qu'on voit. Personne ne t'assume. Personne. Tu es parti au Cameroun, tu as nias pour 30 000. Une bengiste comme toi. Tu as nias pour 30 000. Le même jour t'a bloqué. Bibi, quand tu dis que ma faux, allez, moi-même, ma faux n'a pas les mon vieux. Ma faux a les cheveux pleins. On avait vu, elle avait un livre, on a vu. Elle n'a pas les mon vieux. C'est toi qui es mon vieux, Pipi. Tes cheveux commencent à partir d'ici. Ici. Ici. Tes cheveux commencent à partir d'ici. Ici. Tu as la calvitie à la tête. C'est pour ça que les hommes te fuient. Aucun homme. Le gars avec. Le petit gars que tu avais nias en Belgique. Au Sinan, à terre. Le gars, il est où? Il t'a fui, non? Est-ce qu'il t'a encore assumé? Il ne t'a jamais assumé. Tu veux qu'il parle laisse quoi, Pipi? Tu vas dire aux gens. Qui croit ce que tu crois là? Tu n'es rien. Quand tu bois, 10 hommes peuvent passer sur toi. Tu ne le connais même pas. Pipi, si je mens. Pipi, pour le moment, hein, je ne vais pas encore parler de la maladie que tu as. Source sûre. Je ne vais pas encore parler de ça. Source sûre. C'est moi. Tu sais, le jour. Que quand papa Fodé est parti, tu l'as insulté. Je ne vais pas encore dire ça au Camerounais. Mais je vais dire un moment, le moment viendra, je vais dire avec les preuves. Je vais te prouver que je dors chez toi. Mes chers frères et sœurs, augmentez les mercures. Augmentez le mercure, mes chers frères et sœurs. Qu'on atteigne le quota, maman, on le balance, on commence à jouer les vosses. Ouais. Il y a combien de patates? Mettez les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler. Pour bombarder les cœurs. Les manias sont là pour vous signaler mon direct. Protégez le. Il y a seulement 21 cœurs. Mettez les cœurs. Parce qu'on va jouer les audios. On va comparer les audios. Tu as dit aux Camerounais avec les vues que tu as achetées hier. Tu as acheté les vues hier. Tu as dit aux Camerounais que Mafou opère dans le noir. On va comparer les audios. Avec ta part, on va voir qui fait le mal dans Meta. C'est toi qui fais le mal sur Facebook. C'est toi. Yeah. Pipi, tu crois que tu es sage? Comme hier, j'ai fait un direct hier, l'autre jour, je t'ai dit que, regardez Facebook, Pipi ne donne jamais la force à sa sœur. Sa sœur qui fait les directs, la tête fait tellement mal. Quand tu écoutes les directs sa sœur, tu as mal au cerveau. Ta soeur était en direct, elle te soutenait. Au lieu de laisser que l'audience de ta propre soeur augmente, tu es parti lancer ta part dans la page d'une autre personne pour casser l'audience de ta petite soeur. Au lieu que tu es censé fabriquer ta soeur. Quand ta soeur lance le live, tu ne pars jamais dans ce live pour lui donner la visibilité. Tu pars dans le live de la folle femme qui est aux États-Unis là. Hein? Parce que tu as peur, parce que tu es ingrate. J'ai dit ici que vous ne vous attendez pas. Ta propre sœur n'est pas chez toi à Reims. Vous êtes chez Michela Pemka. Pourquoi tu interdis ta sœur venir chez toi? Ça veut dire que même tu as même peur de ta propre soeur, tu as peur qu'elle va venir filmer ta maison. Regardez, ils sont en train de signaler. Vous ne mettez pas l'accueil signal. Ben, tu as peur que ta propre soeur va venir filmer ta maison
pour venir exposer sur Facebook. C'est-à-dire que vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez pas. Tellement que tu es ingrate. Tu ne peux pas fabriquer ta propre petite sœur. Quand il dit ici que ce n'est pas ta sœur, c'était vraiment ta sœur de ventre, du même ventre. Ce que tu fais là, tu n'es pas fait ça. Ce que tu fais là, tu n'es pas fait ça. Tu veux donner au moins c'est un peu sa visibilité. Mais tu es chiche. Pipi. Je veux parler quoi, laisser quoi de toi, ma soeur? Une lélé au foulé. Tu es une lélé. La fille avec qui tu as nias là. T'a régné. Elle a dit que tu ne prononces pas son nom. Dans la ma faut a dit encore, je dis que quoi. Papa faut y a dit que quoi. Que si tu essaies la course de l'enfance le matin, si tu prononces encore ses mains, son nom, il va te traiter. J'étais là. Moi, j'ai parlé ça l'autre jour ici, non. J'étais là. J'étais pas là. Quand il dit ici que Luz Gloria manque le respect à Papa Foggia, est-ce que quand ma faut parler, elle était là? J'ai parlé ma part. C'est pour vous dire que Nicole ne manque jamais. Je n'invente pas sur la vie des pipi. Quand moi, je vous ai dit ici là que Chéri Diop, l'ancien chroniqueur de pipi, avait rencontré son gars avec qui sont actuellement, qui vont se marier là. C'était le jour de l'équipe de marchand, de l'unité. C'était là-bas. Pipi était jalouse. Elle croyait qu'elle va sortir avec le gars Bamoun. Tu ne peux même pas sortir avec le pipi. Pipi, c'est pour ça que tu détestes Chéri Diop. Quand tu vois Chéri Diop, c'est deux mondes différents. La fille part partout. Elle part aux États-Unis. Elle part à Miami. Elle part partout. La poisse de ça. Tu ne sais pas que derrière quelqu'un peut rencontrer quelqu'un. Pour que la fille vienne chanter à l'unité des marchands, il a fallu que marchand entre dans les fesses de pipi. Dit que pipi, amène ta copine là. Je veux qu'elle lève. Elle soit dans mon clip. Pipi a tourné. Voilà maintenant ça que le jour là, marchand dit que donne-moi le numéro, je vais appeler Chéri Diop. Maintenant, Pipi envoie le message à Chéri Diop que marchand veut te rencontrer. Elle ne dit pas à Chéri Diop que c'est pour tourner le clip. Elle ne dit pas. Voilà ça que Chéri Diop porte ses pieds. Elle vient avec un petit haut, avec les babouches là, pieds nus. Mais elle était bien maquillée. Heureusement que le jour-là, la maquilleuse de marchand n'était pas venue. Hein? Alors que la reine mère de Pipi Mania, apparemment, dit qu'elle s'est bien maquillée. Mais Pipi était incapable. Quand Chéri Diop est venu, ils sont en train de signaler. Quand Chéri Diop est venu, marchand a vu son maquillage. Elle dit que, waouh, tu maquilles. Qui t'a maquillé? Que c'est elle-même qui s'est maquillée. Marchand a dit que, ok. Maman, ma maquilleuse m'a lâché. Maquille-moi. Directement, Chéri Diop a maquillé marchand le jour-là. Après, maintenant, Chéri ne savait même pas que c'était le clip qui tournait. Elle m'a venu comme ça, papa. Directement, notre frère Camerounais a vu Chéri Diop. Il est tombé amoureux de Chéri Diop. Maman, Pipi voulait mourir. Pipi était là seulement qu'elle voulait draguer le gars. Elle croyait que le gars, elle était jalouse parce qu'elle voulait automatiquement que le gars la drague. Elle a monté les coups bas, monté marchand contre Chéri Diop. Jusqu'à Chéri Diop était obligé de bloquer marchand. Jusqu'à le gars là, que le gars était l'ami intime de marchand, le boxeur là, le bagarre là, était l'ami intime de marchand. Marchand avant d'ouvrir ses yeux, elle dit que. Donc, à cause de la sale pisseuse aussi, je vais perdre mes contacts. Elle était obligée maintenant d'appeler Chéri, de demander pardon, que ouais, excuse-moi. Parce que Pipi voulait que le gars la drague. Pipi, quand tu te regardes, tu regardes Chéri, tu l'as peur. Tu crois que le gars là, tu crois que tu vas te salir l'image de Pipi. Je ne te dis même pas encore. La surprise. Pipi, vraiment, elle est pleine de tatas au pays. Hein. Tu vas lire l'heure. Tu es parti salir l'image du gars là, que le gars là, qui n'a pas l'argent, que c'est un peu un bonseur, et tout, et tout, et tout. C'est, tu sais que ce n'est pas un bonseur, et tout, et tout, et tout, qu'il n'y a rien, n'y a rien. Maman, un bonseur international. Je ne manque pas sur ta vie.
Ce n'est pas Chéri Diop qui est venu. C'est une personne de Chéri Diop qui est venu me dire de farce. Attends-toi à ce qui t'arrive. Donc, tu l'as trouvé ta large pour tuer dans les dents, tu parles fort là. Tu as eu les relations, non? Aucune relation, non? On va voir les relations. On va, je vais te demander au gouvernement camerounais si ce sont eux qui t'envoient venir escroquer l'argent des gélus. Tu vas remettre l'argent des gélus de Clarisse Yenga. On ne peut pas, je ne peux pas te laisser derrière une tasse. Si tu ne pars pas, si tu ne pars pas au Cameroun, on va venir te soulever là-bas à Reims. Apparemment, tu es même plus à Reims. Tu as payé l'argent, le chauffage. On a coupé le chauffage. Pipi, si je mens, pas à Reims, on voit. Pipi. Depuis que Pipi est rentrée de Dubaï, elle n'a pas mis ses pieds à Reims. D'où elle a fait le direct, c'était pas à Reims. Hein. D'où elle a fait le direct là, c'était chez Michela Pepga. Depuis qu'elle est rentrée de Dubaï, elle n'a plus mis ses pieds à Reims. Elle va prendre l'argent de chauffage où? Moi, je vous dis tout ici que Pipi là, bientôt là, elle n'est plus à Reims. Hein. Elle va prendre l'argent de chauffage où? Il t'a dit que l'argent de la réunion là, tu pouvais aller donner l'argent du loyer. Tu as pour faire aller montrer que tu pars à Dubaï. Tu es parti derrière Dubaï. C'était pas le vrai Dubaï. Tu vas confirmer la valeur de Papa Fodia. Tu vas confirmer la valeur de Papa Fodia, Pipi. Tu vas comprendre. Tu vas sentir ça sur toi. Et n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend Bio 237. Encouragez-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas comprendre la valeur de Papa Fodia. Le seul homme qui t'a assumé. Regardez ma femme là. Elle te décourage. Tu es tellement bête. Elle dit que tu as fait comment pour aller sortir avec un gars babou, un gars bangoula. Le que Papa Fodia, 13 ans, tu ne payais jamais la maison. Tu ne payais, il partait travailler, c'est lui qui faisait tout. Ton propre argent, tu mettais ça sur toi. Tu vas comprendre qu'une femme peut payer le loyer en euros. Pipi. Ugo Yungo, tu vas comme ça, tu vas souffrir comme ça là. Ton petit nyama nyama, que tu, moi je te connais, tes petits trucs que tu fais sur tes loups, que tu montres que tu es une King Kong, tu n'es rien. La maison des reines, c'est là. Voilà d'où je vais te prendre. Tu dis que oh, j'ai rencontré un monsieur. Pipi, demande au monsieur qui a l'argent. Dis qu'il te paye, dis qu'il n'a pas payé 6 mois de loyer. Je fais 1 mois sans faire le live. Je te mets au défi. Pipi, comme tu dis que tu vas partir à Ebolo, voilà. Pile le coin. Pipi, je te mets au défi. Demande au monsieur de te payer le loyer des reins ces 6 mois. J'ai fait même 1 an sans faire les lives. Pour voir s'il t'aime. Pour voir s'il peut te donner de la valeur. Mais rien. Mais comme tu as la bouche, comme le museau, ta bouche sort. Tu es là pour montrer que tu n'es rien. Tu n'es rien dans rien dans rien. Parce que même lui m'est utilisé. Tu as apporté tes petits choux. Tu as apporté tes. Tu vas te serrer. Michel a peur dans sa maison et ses enfants. Tu n'as même pas honte. Ya! Ya, pipi. Ya! Qui là-bas? Qui chez Michel a peur? Va rester dans le froid à Reims. Tu vas assumer le chauffage. Il n'y a pas le chauffage à Reims. Qui dans la maison de Michel a peur? Qui dans sa maison? Tu vas serrer une femme, elle est 2 ans, d'une petite maison comme ça là-bas à Paris. Tu la serres pour dormir au sol. Ya, pipi. Elle dit qu'elle va dire qu'elle est blogueuse. Elle va s'asseoir, venir parler des marchands. Tu peux parler des marchands, pipi. Tu es qui? Youbi ou? Qui t'a trompé que tu es belle, maman? Pipi, qui t'a dit que tu es belle? Tu veux même ça? Pipi, qui t'a trompé que tu es belle, pipi? Aucun homme ne t'assume. Aucun homme. Même le petit là, avec que tu es là. Ben, tu fantasmes ce pipi. Tellement que les vols de maf te fait tellement mal. Tu es que sur ça. Tu es que sur ça. Parce que tu as peur. Tu es que sur ça. Parce que tu aimes les petits gars. Tu donnes l'argent. Tu paies l'homme. Tu achètes l'homme. Tu dis que non, tu as fait canne. Tu as fait ceci. Tu fais canne. Tu rentres au Cameroun pour coucher avec un homme. Pour coucher avec un homme pour 30 000. 30 000 comme ça. C'est une honte pour une femme, pour une bengisse. Sa fille est avec elle. Sa fille est à Michel, avec chez Michel Pepgano. Sa fille est avec elle. Le chauffage est ça. Il fait froid. Elle va lire l'heure. On va mettre nos audios. On va écouter. Mes chers frères et sœurs, nous allons comparer les audios. Pourquoi j'ai décidé de mettre ces audios sur Meta? Quand vous ne mettez pas les clés, ils vont signaler. Ils sont en train de signaler le live. Ils signalent le live.
Vous ne mettez pas les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Mes chers frères et sœurs. Voilà, voilà ça. Voilà dame pipi. Voilà dame pipi. C'était en quelle année? Mes chers frères et sœurs, moi je suis une personne que Nicole ne mange jamais. Partagez le dire, moi je viens avec les preuves. Pipi, ça date de 5 ans. Pipi, c'est une femme qui est entrée sur Facebook pour salir l'image de ma femme. Mais aujourd'hui, Pipi vient jouer les victimes. Pourquoi les victimes? Elle a fait un soi-disant direct d'une acheteuse de vues. Parce que je me suis demandé comment Pipi peut quitter les 3400 vues. Elle descend. À moins d'une heure, elle est descendue à 2900. Ça veut dire que les vues étaient achetées. Voilà ma photo pour vous aujourd'hui. Ma photo en live aujourd'hui. Elle a fait plus de 3 heures de direct. Elle était dans ses 3000 vues. C'est-à-dire que c'était ses vraies vues. Et c'était les vrais gens qui la suivaient. Par contre, toi, que tu es depuis là, tu bouffes le njangui, tu étais censé avoir la visibilité. Mais tu as eu 3000 et poussé 3400. En moins d'une heure, les 3000 là sont descendus. Non, waouh! C'est-à-dire que les vues étaient achetées. Mes chers frères et sœurs, pourquoi je reviens sur les voici? Parce que Pipi, dans son direct hier, elle se plaint que, oh, on s'acharne sur elle, oh, que c'est depuis elle qui bouffe. Vous savez que Pipi est toujours victimisée, oh. Elle dit que, oh, c'est depuis elle qui bouffe le njangui, elle va ce qu'elle a fait aux gens et tout et tout. Maintenant, comme Pipi, c'est une personne qui est bête, elle ne sait même pas si c'est marche en qui est sortie pour parler ces choses ou non. C'est le game de Facebook. Ok, elle-même là. Quand il y a eu 5 ans, elle a fait pareil, même pipi que nous les blogueurs sur la toile. Elle a fait pipi. Pour venir sur Meta, il fallait qu'elle salit, elle détruit l'image de Mafo pour être sur la toile. Mes chers frères et sœurs, Pipi a mis les soi-disant voices de Mafo. Elle a dit que, regardez comment Mafo pas derrière mes gens pour me tuer. Donc, pour Eve, elle a voulu passer ma faute pour une mauvaise personne. J'ai dit que non, Pipi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu as fait plus pire que ma faute. Quand Ténèbres de Bamoun était qui c'était l'ami de ma faute, quand elle est venue sur Facebook, avant que Ténèbres de Bamoun ne fasse son apparition, tu as trahi. Tu es parti enregistrer Ténèbres de Bamoun. Pour venir mettre sur les réseaux sociaux et qui était l'ami de Mafo. Maintenant, quand toi tu viens dire hier que Mafo est parti envoyer les vosses chez ta personne pour te tuer, ça veut dire que tu es pas normal ou que tu as fait plus pire que elle. Mais quand on écoute les vosses que Mafo a mis là, c'est les vosses pour rigoler. Il n'y a rien de mauvais. Par contre, toi, tu as enregistré Ténèbres de Bamoun qui était en train de salir l'image de Mafo. Hein, écoutons. Écoutons. Elle a dit que oui, et ça, c'est toi qui sors avec Coco. Elle dit non, elle ne sort pas avec moi. Elle ne s'est jamais vue. Elle entrait dans les détails. Elle raconte comment j'ai dit que. Mais je peux te demander un truc. Mon nom vient faire quoi là-dedans? Parce qu'elle aime souvent, il y a que. Elle porte plainte aux gens. Hein. Maman, ici là, la police nous connaît. C'est seulement la police de Pago qui ne nous connaît pas. Angéline, on nous connaît. Des fois qu'on appelle même la police dit que si ça ne va pas séparer vous, personne ne vient. Dans la paix des Niela, je n'ai pas peur. Que tu sois Niela ou que tu sois moi, je n'ai pas peur. Va me porter plainte. Donc, par là, il faut arrêter ça. Donc, je continue. Comment? Ouais, je continue. Je suis là, la confie. Et quand tu crois que c'est un petit rabot là qui va nous séparer, j'ai eu le grand frère qu'on pouvait bien se séparer quand la paix de compression est sortie. Vous voyez? Vous voyez comment elle se victimisait? Vous voyez comment hier elle se victimisait? Comment elle dit qu'on a voulu la tuer? Ou on m'a fait partir voir ces gens? Qu'est-ce qu'elle me l'a fait? Elle, Lolo, met les voix de Ténèbres de Bamoun dehors. Hein? Qu'est-ce qu'elle me l'a fait? Il y a encore même plus pire! Ça est même rien. Qu'elle va encore vous faire encore écouter? Qu'elle va encore vous faire écouter ce qu'elle a fait encore sur le dos de Mafo? Parce que hier, elle s'est plainte. Que Mafo est passée derrière pour la tuer. Vous voyez comment cette femme est manipulatrice. Si vous ne sortez pas, c'est ça qu'elle dit que non, il va sortir les. Attends, écoutez.
On pouvait bien se séparer. Mais on est toujours là, bien. On n'a même pas la fête de compression. On a des grands problèmes qu'il y avait garde à vue, nanani, nana, les casiers judiciaires. On est toujours là, bien. C'est pas parce que je t'ai dit qu'on n'a pas beaucoup. Tu crois que tu vas aller raconter ça pour vous séparer. Maman, tu as tapé à côté. On a le grand frère de ça. On a les grands, on a les problèmes, on a les problèmes, on est toujours là. Bien, 4 ans, c'est pas 4 jours, c'est pas 4 mois. Voilà, les filles, elle est là comme ça, depuis comme Karine l'a quitté, Karine a refait sa vie. Tu as repris le rôle d'être unique, comment elle a dit, c'est ton problème, c'est ton problème. Moi, quand j'ai fini déjà avec une gars, j'ai des chiens qui sont passés, je ne suis même plus au courant d'elle. Moi, j'ai connu deux gars ici, trois gars ici à pays. Je suis plus au courant de lui. Tu es toujours en train de traîner derrière ton ex en espérant qu'elle peut encore être avec toi. Si vous aimez entendre des filles, vous venez donner les secrets des gens, on clashe les gens, mais derrière, vous voulez. Vous avez écouté, vous venez donner les secrets des gens, on clashe les gens, mais derrière, vous cachez. Donc, ce sont les gens qui informent cette fille de venir clasher les autres. C'est vous. Vous venez donner les secrets des gens, on clash les gens. Donc, c'est vous qui allez donner les secrets. Vous voyez comment c'est. Hein? Maintenant, après, elle va se plaindre. Hein? Elle prend les secrets des gens, elle vient mettre sur les réseaux sociaux. Elle vient mettre les choses qu'ils ont parlé sur WhatsApp. Elle était dans le groupe, elle est partie retirer, elle est venue mettre sur Facebook. Parce que c'était l'amie de Mafo. Mais hier, elle est venue se plaindre hier. Elle a dit hier que oh, Mafo passe dans ses amis. On va encore aller dans une autre bosse. C'était juste pour vous montrer combien de fois la femme si est fausse. Combien de fois cette fille est fausse. Avant de venir faire quelque chose de pipi. Avant de venir Dieu les victimes. Rassure-toi que ton derrière était propre avant. On écoute. Écoutons celle-ci. Écoutons celle-ci. C'est celle derrière là. Écoutons. Je vais donner rendez-vous demain. Je t'appelle et on va parler. Écoutez. Quand je parlais avec Coco, ce matin, je vois sur les pages, on dit que c'est une fausse convocation. Coco qui est. Ténèbre de maman qui était qui? L'ex de Mafo. Alors que Pipi est censé de rester derrière sans aller voir l'ex de Mafo pour tuer Mafo. Mais yeah, Pipi, elle-même, elle se plaint. Elle dit que vous voyez comment Mafo va voir mes gens pour me détruire. Alors que c'est qu'elle a fait Pipi. C'est temps, je vous dis qu'il faut que vous comparissez les vosses. Qui est plus mauvais sur la toile? Écoutons. Qu'est-ce que c'est derrière là? Je vais te donner rendez-vous demain. Je t'appelle ton vampire. Voilà, écoutez. Quand je parlais avec Coco, ce matin, je vois sur les pages, on dit que c'est une fausse convocation. Je l'appelle. Je dis pas Coco, mais. Vous avez vu, non? Ténèbres de Bamoun avait mis une convocation sur Facebook. Avait dit que la police l'a convoqué, qu'il y a appelé la police pour ses enfants. Maintenant, Pipi a appelé la ténébreuse pour faire le plan. Parce que les gens en doutaient que c'est une fausse convocation. Mais la personne qui devait venir valider que c'est une vraie convocation, c'était Pipi. Pour dire que c'est vrai que Mafo a appelé la police pour l'enfant d'Athénée de Bamon. Mais aujourd'hui, cette pisseuse veut nier. Elle veut se faire passer pour la victime. Écoutez. Qu'est-ce que c'est derrière là? Je vais te donner rendez-vous. Écoutez. Je t'appelle ton campagne. Vous avez compris, non? Elle dit que c'est qu'elle fait derrière. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Elle dit que c'est qu'elle fait derrière là. Je t'appelle, on va en parler. Mais hier, qu'est-ce qu'elle a dit hier? Elle a dit que Mafo part derrière pour tuer ses relations, pour la détruire derrière. Alors qu'elle-même là, elle a fait pipi. Voilà ça. Écoutez, Nicole ne mange jamais. Moi, je viens de trouver les preuves. Écoutons. Qu'est-ce que c'est derrière là? Écoutez. Je vais te donner rendez-vous. Je t'appelle ton vampire. Voilà. Quand je parle avec Coco, ce matin, je vois sur les pages, on dit que c'est une fausse convocation. Je l'appelle. Je dis pas Coco, mais on me dit qu'elle mérite d'être au commissariat. Je dis, mais on a dit que c'est une fausse convocation. Elle a le refait, elle part maintenant, elle dit qu'attends, je ne m'avais pas encore la réception parce que moi je suis la police. Elle part, je prends mon téléphone d'un autre numéro, je l'enregistre, elle n'est pas au courant. C'est moi qui leur ai fait les vaches là. Je l'enregistre.
Parce que je vais avoir les preuves que même si je fais un direct, je vais prouver aux gens que c'est ça qui est la vérité. Bien compris. Je l'enregistre. Bien compris. Elle enregistre la police. Parce que Ténèbres de Bamoun, quand elle est venue dire, les gens ne croyaient pas. La seule blogueuse qui devait venir sur la toile dire la vérité, c'est Pipi. Parce qu'elle a enregistré la police. Donc, Pipi, si Pipi a enregistré la police de France, écoutez bien, Nicole ne manque jamais. Si Pipi a pu enregistrer la police qui est en France, combien de fois elle peut pas enregistrer la police du Cameroun? Méfiez-vous, cette femme est dangereuse. Normalement, elle devait faire le direct même demain. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Là, ils sont en train de signaler le direct. Le direct est signalé. Les gens partent, ils reviennent. Le direct est signalé. Mes chers frères et sœurs, où voulez-vous qu'on fait le direct là demain? Parce que là, c'est signalé. Parce que les gens ne sont pas là. Ils sont sûrement faux là-bas sur TikTok. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Parce qu'ils jouent les victimes. Si Pipi a pu enregistrer la police française, combien de fois elle ne doit pas enregistrer la police camerounaise? Une fois sa propre voix. Nicole ne manque jamais. Nicole ne manque jamais. Je n'invente pas sur la vie de cette femme. Cette femme est venue sur la terre m'insulter. Boumkena, Isaac, de tous les noms. Je n'ai jamais rien fait. Les gens ont dit que oh, Nicole, je dis qu'elle va faire mon blog. Même s'il y a 100 000 personnes sur elle. Elle, c'est mon affaire personnelle. Parce qu'elle m'a montré, elle voulait me faire peur, elle voulait me faire pitié, que tu ne peux pas, je suis une bosailleuse. Je n'ai pas honte d'où je viens. Je n'ai même menti sur Facebook que je suis une avine qui en or. J'ai toujours dit que je dormais dans les bidonvilles. Donc, c'est un peu ça. Le direct est signalé. Vous ne mettez pas le cœur, le direct est signalé. C'est signalé. Voilà ça. Le direct est signalé. Le direct est signalé. Fait derrière là, je vais te donner rendez-vous demain. Je t'appelle ton enfant Paris. Quand j'ai parlé avec Coco ce matin, je vois sur les pages, on dit que c'est une fausse convocation. Je l'appelle, je dis pas pourquoi, mais on me dit qu'elle mérite d'attention au commissariat. Je dis, mais on a dit que c'est une fausse convocation. Elle a le refait, elle parle maintenant. Elle dit qu'attends, je m'appelle pas encore la réception parce que moi je suis la police. Mm-hmm. Quand elle parle, je prends mon téléphone d'un autre numéro, je l'enregistre. Elle est pas au courant, mm-hmm. C'est moi qui leur appelle les voix. Je l'enregistre parce que je vais avoir les preuves que même si je fais un direct, je vais prouver aux gens que c'est ça qui est la vérité. Mm-hmm. Je l'enregistre. J'ai compris. Elle va avoir les preuves. Même si elle fait un direct, elle va prouver aux gens que c'est ça qui est la vérité. Parce qu'elle a enregistré la police qui est en train de parler avec Ténèbres de Bamoun. Parce qu'il faut absolument qu'elle doit venir sur Facebook dire que ma faute est mauvaise. Écoutons. À son insu, mm-hmm. Elle m'a dit, tu as vu, non, je suis au commissariat. Mm-hmm. Quand nous sommes en train de parler, au même moment, l'enquêteur vient vers Coco, il dit bonjour, madame Coco, on dit quelque chose comme ça. Elle dit oui, c'est comme ça qu'elle m'a servi l'enquêteur. Quand elle a eu dans le bureau d'enquêteur, elle oublie de fermer son téléphone. Mm-hmm. Elle oublie que je suis sur WhatsApp. J'écoute comment l'enquêteur dit. Mm-hmm. On a donné trois numéros de ce téléphone. Okay. Qu'on a appelé, j'ai les voyages là, qu'on a appelé le service d'immigration. On leur a dit que Coco Poitou se prostitue dans la maison avec ses enfants, qu'elle prend les clients devant ses enfants et que la vie de ses enfants sont en danger. Il faut tout faire pour l'interpeller. C'est pour ça que le service de l'immigration envoie le dossier. C'est l'enquêteur qui parle. Moi, je suis là, j'écoute, j'ai appuyé sur mon enregistrement. J'assume. Alors, la politique, c'est moi. Mm-hmm. Il y a eu qui veut dire à la politique que je suis, j'assume. C'est mm-hmm. moi qui ai fait ça. Les compris, non. Elle dit qu'elle assume qu'elle a enregistré la police. Cette femme est dangereuse. On doit la dénoncer. Si elle enregistre la police française, combien de fois elle a enregistré tous les gens avec qui, tous les grands hommes de main au Cameroun, elle les a enregistrés. Et cette femme mérite la condamnation. D'où elle est là? Voilà la preuve qu'elle enregistre les autorités. Elle a dit qu'elle assume. Je me remets encore. Elle a dit qu'elle assume. Si la
police vient enregistrer la police, est-ce qu'une personne pas, est-ce qu'une personne normale comme elle pas enregistrer la police? Et le pire ce jour, c'est que le jour-là, elle n'a pas, elle n'avait pas soumis le direct. Les pipi mania lui ont dit que pipi tu as commis, va supprimer. Avant qu'elle les supprime, j'avais déjà récupéré. Donc ce truc, je ne peux jamais m'égarer. Donc quand elle fait mon oreille, vient déposer. Je lui dis que oh, Alzheimer, viens écouter ce que tu avais dit. Donc ne joue pas les victimes. Ne viens pas jouer les victimes sur Facebook. Comparer les audios entre l'audio de Mafo et l'audio de celle-ci qui est plus pire. Comme hier, elle dit que oh, oh, Mafo envoie les audios à mon ami, elle veut me tuer. Qui est plus pire? Qui fait le mal sur la toile? Jusqu'à une personne normale enregistre la police française. Elle est contente, elle dit qu'elle a enregistré. Mais quand, aujourd'hui, là, quand elle dit qu'elle a enregistré, les autorités mentent. Elle dit que non, c'est faux. Alors que c'est vrai. C'est une enregistreuse de talent. Même sa même son propre enfant, elle enregistre. C'est comme, à elle, c'est comme une maladie. On écoute, on continue. Qu'est-ce que tu fais derrière là? Je vais te donner rendez-vous demain. Je t'appelle ton vampire. Quand j'ai parlé avec Coco, ce matin, je vois sur les pages, on dit que c'est une fausse convocation. Je l'appelle. Je dis, Coco, mais. On me dit, elle me dit que t'as su au commissariat. Je dis, mais on a dit que c'est une fausse convocation. Elle a le préfet, elle parle, mais elle dit qu'attends, il ne m'a même pas encore la réception parce que moi, je suis la police. Quand elle parle, je prends mon téléphone d'un autre numéro, je l'enregistre, elle n'est pas au courant. C'est moi qui leur appelle les voix là. Je l'enregistre parce que je vais avoir les preuves que même si c'est fait un direct, je vais pouvoir vous en ça qui est la vérité. Je l'enregistre à son insu. Elle me dit, tu as vu, non, je suis au commissariat. Quand nous sommes en train de parler, au même moment, l'enquêteur vient vers Coco, il dit bonjour, madame Coco, on dit quelque chose comme ça. Elle dit oui. C'est comme ça qu'elle m'a servi l'enquêteur. Quand elle arrive dans le bureau d'enquêteur, elle oublie de fermer son téléphone. Elle oublie que je suis sur WhatsApp. J'écoute comment l'enquêteur dit. Qu'on a donné trois numéros de ce téléphone. Qu'on a appelé chez les Vosges, qu'on a appelé le service d'immigration. On leur a dit que Coco Coutou se prostitue dans la maison avec ses enfants, qu'elle prend les clients devant ses enfants et que la vie de ses enfants sont en danger. Il faut tout faire pour l'interpeller. C'est pour ça que le service d'immigration envoie le dossier. C'est l'enquêteur qui parle. Moi, je suis là, j'écoute. J'ai déjà appuyé sur mon enregistrement. J'assume. Alors, la police dit que c'est moi. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui vient dire à la police que je suis, j'assume. Mm-hmm. C'est moi qui ai fait ça. Mm-hmm. Donc, quand le policier parle, elle ne sait pas que c'est parce que l'enfant qui est aussi à côté. Le policier dit que il y a une dame qui a appelé. Elle a donné, elle a dit, tu fais la police. Il a dit, tu as trois numéros de téléphone. Il a donné les numéros de téléphone. Il a donné les numéros de téléphone qu'on leur a donné. Coco continue de dire que non, j'ai un seul numéro parmi les numéros que vous donnez là. Et dans ce numéro-là, il y a quelque chose qui m'est venu à la tête, mais je vais parler ça en bon, ça avec Coco. Donc il y a un seul numéro que vous m'avez envoyé. Et il dit que mais comment les gens l'ont fait pour connaître ton adresse et l'étage où tu habites? Parce qu'on a donné l'adresse, on a donné à quel niveau d'étage, donc le niveau de l'étage où elle est. Il a dit que sûrement c'est quelqu'un que vous connaissez parce que vous êtes la personne à tous les détails sur votre vie. Elle a dit sûrement, j'ai eu les problèmes avec mon ex-ami. Vous savez, je vous ai dit que pourquoi a traumatisé le policier? Parce que mon ex-copie. Le policier a dit que ex-copie. Votre ex, il a posé la question deux fois. Elle a dit ex-femme. Ex-femme. Le policier a l'engagé pour traumatiser le policier là, mon frère. Il dit ex-femme. C'est là l'esprit qu'elle a eu des menaces dans les réseaux sociaux. Un peu tout ce qu'elle a parlé avec le monsieur là. Alors, j'ai été choqué, Nathalie. Moi, je ne vous manque pas. Ouais. Je ne vous mens pas, mes soeurs. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez ça. Mm-hmm. Arrêtez ça. Mm-hmm. Pas le mal. Ouais, que faut arrêter. On va les dire pourquoi d'arrêter. Quand on vient dire d'arrêter, on dit que non. Pourquoi on dit d'arrêter? Tu ne dis pas que tu veux continuer à tuer un jour. Tu ne dis pas à toi. Ya, Swenga, merci. Tu ne dis pas à toi, Swenga. Je l'ai dit, je t'ai dit qu'elle veut jamais mener ta guerre. J'ai compris. Voilà pipi. Voilà pipi. C'est tellement long. L'audio, c'est long. Voilà pipi. Qui est parti en fait sourd. Elle est partie enregistrer la police. Donc, c'était un montage qu'ils ont fait pour salir l'image de ma femme. Pour provoquer aux internautes que
de quoi elle est capable. Hein? Mais aujourd'hui, elle vient jouer les victimes. Elle vient jouer les victimes sur Meta. Donc là, elle fait pipi. Regardez comment, regardez une femme qui parle. Elle dit arrêtez ça vite. Au lieu que c'était faux. C'était juste pour salir son image. Il était plusieurs. Dans ce live. Qui était l'auteur-compositeur? Pipi qui a enregistré la police. Pour venir prouver au Camerounais comment elle peut arriver aux extrêmes. Pour prouver que Mafo est mauvaise. Coco, Ténèbres des Bamou était l'ami de qui? C'est pas l'ex de Mafo. Mais tu es entré dans elle. Pour venir saluer son image. Mais aujourd'hui, toi, tu viens discuter. Tu dis que non, on arrête. Je vais te donner un envoyé. Et il dit que, mais comment les gens l'ont fait pour connaître ton adresse et l'étage où tu habites? Parce que on a donné l'adresse, on a donné à quel niveau d'état, dans le niveau de l'étage où elle est. Il a dit que sûrement c'est quelqu'un que vous connaissez parce que vous êtes la personne à tous les détails qui vont très vite. Elle a dit sûrement, tiens, il est avec mon ex-ami. Vous savez, je vous ai dit que pourquoi a traumatisé le policier? Parce que mon ex-copie. Le policier a dit que ex-copie. Votre ex, il a posé la question deux fois. Il a dit qu'on a dit. Oui, ex-femme. Le policier l'a engagé, il a traumatisé le policier là. Vous voyez, il dit ex-femme. C'est là l'esprit qu'elle a été menacée dans les réseaux sociaux. Dans la vie, nanana, un peu tout ce qu'elle a parlé avec le monsieur là. Alors, j'ai été choquée, Nathalie. Moi, je ne vous manque pas. Ouais. Je ne vous manque pas, mes soeurs. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez ça. Mm-hmm. Pas le mal. Ouais. Si on m'avait dit qu'elle a eu peut-être des problèmes à l'école avec l'enfant, je ne devais jamais soutenir que ça vient des réseaux sociaux. Du moment où le policier a dit qu'on l'a appelé pour dire qu'elle se prostitue dans la maison avec ses enfants, j'ai compris que ça venait de Facebook. Et maintenant, vous dites qu'on doit arrêter. Qu'on arrête ou pas, la procédure est lancée. Mais vous avez compris? Qu'on arrête ou pas, la procédure est lancée. Parce qu'elle a vraiment compris ça. Elle a dit qu'aujourd'hui, là, elle avait les assistants sur derrière son dos. Et il ne manque pas de venir chez elle parce qu'elle est dans la cible. Et je vais vous dire quelque chose. Vous simplifiez les choses. Méfiez-vous avec la police française. Vous voyez un peu comment le phénomène est. Vous voyez un peu comment quelqu'un peut venir jouer les victimes sur Facebook. Hein, mes chers frères et sœurs. Quand vous n'envoyez pas les vies, non, ils sont en train de signaler le dire. Pourquoi vous signalez le live, mes gens? Hein? Vous signalez pourquoi? Pourquoi vous signalez mon live? Ne signalez pas le live. As force. Hein? Hein? Pourquoi vous signalez? Pipi, tu as dit hier que quoi? Que Mafo a envoyé l'audio pour te nuire à ton soi-disant ami. Mais toi, tu as oublié ce que tu as fait l'autre hier. Tu oublies que toi tu as fait hier. Et ta part est même pipi. Parce que toi tu as enregistré la police française. Mais aujourd'hui, quand les trucs sortent que tu as enregistré le gouvernement, tu nies pourquoi. Voilà les preuves. Si toi tu parviens à enregistrer la police française, ce n'est pas la police du Cameroun que tu vas enregistrer. Hey, pipi, ce n'est pas la police au Cameroun que tu vas enregistrer. Tu vas les enregistrer. Prends. Et ça prouve que tu as enregistré les autorités. Tu as enregistré. Il faut qu'on t'arrête. On sort les enregistrements là. Et je suis de moi, le colonel là, tu l'as enregistré quand tu es entré dans son bureau. Tu as mis l'enregistrement. Parce que tu n'as pas peur. Toi-même, tu as dit que
Si la police te demande, c'est toi. Pipi, il faut qu'on t'arrête. On prend tes téléphones. On va voir que tu as enregistré tous les gens avec qui tu as... Tous les gens avec qui tu es passé chez eux, tu les as enregistrés. Parce que tu les tiens. C'est une enregistreuse de talent. Elle dit que, qu'elle enregistre. C'est une enregistreuse de talent. Elle ne blague pas. C'était un peu pour te dire que regardez un peu les comparaisons des audios. Et là, ta part est pire. Tu as fait pipi, pipi. C'est tellement beaucoup. C'était un peu les deux ici. Parce que quand on vient dans un dia, on ne finit pas les balles. Regarde seulement les deux enregistrements que j'ai mis là. Tu vois comment ta papa. Et tu oublies que tu fais le mal aux gens. Tu oublies que tu as fait le mal. Facebook, pipi. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu récoltes seulement ce que tu as semé. C'est tout. Tu as enregistré la police pour venir prouver aux Camerounais que ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'on ne croyait pas ténèbres des barons. Il est où? On me dit qu'il me regarde depuis. Il est où? Hein? De un nom de Nicole. Nicole, coupe le direct, va t'occuper de ton mari. Il te regarde depuis. Il est où? Je ne vois pas moi. On ne dit pas plus pire. On dit pire est superlatif. Ouais, ok. Les gens signalent tellement le direct jusqu'à... Les gens signalent tellement le live si est... Le live si est tellement signalé jusqu'à... C'est même pas bon. Je te vous jure, le live si est signalé, maman. Non, il n'est pas là. Viens là, Malvi, il n'est pas là. Il n'est pas là. La porte est fermée. On le voit où? On le voit derrière. Non, il n'y a personne ici, là. Le live c'est tellement signalé. C'est signalé jusqu'à. C'est signalé. Le live c'est tellement signalé jusqu'à. C'est même pas bon. Ils sont en train de signaler le live. Ils signalent. Donc, c'est pour monter un peu que pour cette femme est tellement aigrée. Elle joue les victimes. Hé, hey, maman m'envoie les étoiles. Maman, il ne voit même pas les étoiles. Vous dites qu'aujourd'hui là c'est grave. Oh. Vous m'envoyez comment? Est-ce qu'on m'envoie les... On m'envoie les... Vous même pas les étoiles, oh. Nicole, les abeilles, mon Dieu. Nicole, les abeilles, Nicole, officiel, les abeilles, je dirais, comme tu parles de l'élève de Bamoun, là. Ça en tient. Est-ce que c'est... On en train de parler des audios, tu parlais que... On en train de parler des audios, ma soeur. Attends. J'ai eu 21 étoiles. 21 étoiles, c'est comment? 21 étoiles, c'est comment? 25 étoiles. Je ne vois même pas les étoiles. Il y a eu 31 étoiles. Ça veut dire quoi, 31 étoiles, mes gens? Hmm? Je ne vois même pas ce qu'on m'envoie. Ça veut dire que 35 étoiles, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de, si vous n'êtes pas les clients, ils vont signaler le live. S'ils sont en train de signaler le direct, ils signalent le live. Vous avez dit que vous êtes King Kong, non? Vous avez dit que vous êtes King Kong, non? Que vous ne vous pouvez. J'ai même pas encore fini les vols, Je n'ai même pas encore mis la totalité des vols de pipi, que pipi a opéré. J'ai même pas encore. C'est seulement la partie, c'est que j'ai mis que tu as enregistré la police française. Tu as fait pipi. Non, c'est même pas ça, ma chérie. 8,80, ça fait 4, ça veut dire quoi? Bon, je ne sais même pas. Hein. Tu vois, ils sont en train de signaler le live là, mes gens. 91, ça veut dire quoi? 91 veut dire quoi, mes gens? 100, ah ok, 100 étoiles.
Merci pour la personne qui m'envoie les 100 étoiles là. Que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Merde. C'est comme s'ils sont en train. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler. Ils signalent. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. C'est pas signalé ici. Ils sont en train de signaler, non. Si vous ne mettez pas les queues, ils signalent. Nicole, tu comprendras un jour. Bonne continuation. Hein. Comprendre quoi? Apparemment, tu dois être une ténébreuse. Hein. Tu es une ténébreuse. On est en train de comparer les audios que Ténèbres de Bamoun a mis hier. Tu me dis que je comprendrai quoi? Apparemment, tu dois être une ténébreuse, ma chérie. Je te dis la vérité. Tu es une étudiante. Continue, on entend bien. Ton autre téléphone dérange. Non, c'est pas signalé. Ouais, c'est comme s'ils sont en train de signaler, non? Les gens partent, ils sont en train de signaler. On est en train de comparer les audios que Pipi a. Pipi dit que ma foi a mis les audios hier. On compare les audios pour voir lequel des audios est plus pire que l'autre. C'est pour toi qui es plus pire, Pipi. T'as pas été pire. C'est ça. T'as pas été pire. C'est grave seulement. Toi, tu as fait le mal. Tu ne vois pas ce que toi tu fais aux gens. Hein. Tu opères dans le noir, maman. Les gens se sont en train de signaler mon live, maman. Je vois 127 étoiles. Ça veut dire quoi? 127 étoiles veut dire quoi? Hein, mes gens, 127 étoiles veut dire quoi? Dites-moi un peu. Non, toi, tu dois être une ténébreuse. Tu viens déranger. Il faut un peu pas. Je vais te bannir un peu même pour 15 minutes. Te bannir, tu déranges, tu es une ténébreuse, ma chérie. Pas là-bas, tu es une ténébreuse. Tu viens déstabiliser les gens. Tu viens déstabiliser les gens. On en te blague l'image de ma foule. Tu viens parler de quoi? Hein, mes gens, 127 étoiles veut dire quoi, non? Parce qu'on ne le voit même pas. Hein. La personne qui m'a envoyé l'étoile là, c'est qui? J'ai pas vu la personne qui m'a envoyé les étoiles là. Hein? Ouais. Le direct, c'est... Les gens, si, comme ils commencent comme ça, là, ils aiment signaler les directs des gens quand c'est même pas bon. Ou même vous signalez même quoi sur ça, c'est vous qui connaissez. Je vois seulement 127 étoiles. Ça veut dire quoi? Depuis quand il y a 127 étoiles?